Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième numéro de votre émission d'art par excellence, L'Art nous parle. Nous poursuivons la compétition pratique Mon super talent artistique, cette fois-ci avec le candidat numéro 3, Galati Kouassi, sur le thème Cannes Côte d'Ivoire 2023, quel souvenir. Mon nom c'est Kouassi Galati, je suis un artiste plasticien, entre parenthèses, peintre. Déjà, il faut dire que je découvre l'art grâce à mon oncle qui s'appelle Kouassi Galati Larens, qui a d'abord fait l'école du LIA et l'école des Beaux-Arts. Et c'est avec sa manière de dessiner à la maison, j'ai dû découvrir des croquis sur lesquels il reproduisait nos silhouettes. Et donc, c'est de là qu'est parti l'amour pour l'art plastique. Donc, avec cette manière de faire, je m'habituais à reproduire des dessins que je voyais un peu partout. Ma vision du thème, c'est que chacun de nous a vécu la Cannes de la même manière, c'est-à-dire les émotions était partagé à un moment donné de la Cannes et on a vu tout de suite sur le visage de l'Ivoirien le désespoir. Et ensuite, il y a eu cette lueur d'espoir là qui nous a permis aujourd'hui d'être champion d'Afrique. C'est pourquoi dans ma manière de voir les choses, c'est comme une nostalgie que nous vivons chaque jour. Et donc, ce sont ces émotions-là que nous allons mettre en lumière. Pour ce thème, je compte utiliser ma technique habituelle, c'est-à-dire le délavage du tissu à l'aide de l'eau de Javel pour m'exprimer au travail. Mon style de peinture, il faut dire qu'il est figuratif. En même temps, je me suis inspiré de mes devanciers de l'École nationale des beaux-arts. Je peux citer entre autres Freddy Boué-Obou, Aristide, Mbram Marius et Axel Senzé qui peignaient différemment de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire comme eux, m'inspirer aussi d'eux. Et comme eux parlaient de l'art contemporain, je me suis dit pourquoi ne pas m'imposer aussi avec une écriture particulière. Donc, c'est de là que l'inspiration est venue. Je suis Kouassi Aristide, artiste peintre. Ce soir, je suis ici pour épauler mon très cher ami Kouassi Galati, qui est venu participer à cette émission. Étant au Beaux-Arts, j'ai rencontré Kouassi Galati et là, j'ai trouvé que on s'entendait parfaitement parce que j'ai vu en lui quelqu'un qui a du bon sens. Et on partageait quand même beaucoup de similitudes. J'ai trouvé que c'est quelqu'un avec qui je pouvais beaucoup marcher et beaucoup m'entendre. Déjà, il faut dire que même avant d'avoir le bac, mon professeur d'art plastique m'a conseillé d'aller faire les beaux-arts. La première fois pour moi d'entendre les beaux-arts. J'ai donc accepté. Après le bac, mes parents sont étonnés du choix que je fais. Ils me demandent, tu as eu le bac, c'est du chien que tu t'en vas faire. J'ai dit oui, que c'est là où je me sens. Dans les débuts, bon, personne ne croyait vraiment à ce que cela pouvait aboutir. Et donc, en continuant, en faisant, un jour, j'entends mon oncle me dire « Fais-moi un portrait, s'il te plaît. » Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que ils avaient accepté ma décision et ils veulent m'aider même à pouvoir continuer. Si jamais ils me demandaient un portrait, c'est que et tout cela est important. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ils ont commencé à m'accepter tel que je suis, c'est-à-dire emprunter
le volet plastique. Parlant du côté artistique, Kwasi Galati, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il apprend très vite. Il apprend très vite. Ça fait qu'au bout de 3 ans, durant mon parcours avec lui, il s'est démarqué déjà. Les professeurs l'appréciaient beaucoup parce qu'il avait une certaine dextérité avec le crayon. Donc j'ai beaucoup aimé ça et j'ai beaucoup appris aussi à ses côtés. Je me suis inspiré de mes devanciers. Mes devanciers qui n'utilisaient pas de la peinture matière, qui se servaient plutôt de recyclage, ou du moins peindre avec de la fumée par exemple. Ou prendre de l'éponge pour faire des œuvres artistiques. Et donc, ce sont ces personnes qui sont devenues mes modèles. Et plus tard, j'ai donc décidé de ne pas trop utiliser aussi la peinture matière et aussi être différent des autres. Galati Kwasi, c'est un candidat que j'attends. Je l'attends parce que sa technique est une technique plus ou moins de recherche assez poussée. Quand nous avons vu leur dossier, je me suis posé la question, est-ce que c'est un photographe ou c'est un peintre? Ça n'a pas été facile de déterminer ça à partir des photographies que nous avons eues. Et quand j'ai vu ses travaux, je me suis dit, voici quelqu'un qui risque de nous étonner. Je constate qu'il est dessinateur, même s'il n'y a pas encore véritablement le dessin sur sa toile. Il est technicien. Les effets sur le tissu que je vois me laissent entrevoir que c'est quelqu'un qui va non seulement nous étonner dans ce concours-là, mais va nous épater au plan national et même pourquoi pas international un jour, de par sa maîtrise de la composition et aussi du dessin. Voici un candidat qui me surprend de par sa technique. Il apporte quelque chose d'assez différent. Il part avec une technique de lavage, avec du Javel. Il essaie de sortir de son fond noir son univers. Il essaie de créer un espace en partant de rien. Il essaie juste de laver progressivement pour faire apparaître. Le travail a avancé déjà, on voit des formes qui apparaissent. On sent des taches, on sent des vibrations au niveau de son fond. On sent quand même une belle animation qui prend forme progressivement. Il est assez bon dessinateur, comme on le dit. Il a quand même un bon coup d'œil et puis un bon coup de pinceau. Il maîtrise, je dirais, son univers. Mais ma remarque ici, c'est qu'il est un peu calculateur. Il calcule un peu trop, comme s'il évoluait sans ébauche préalable. C'est-à-dire, c'est vrai, il évolue sur un fond noir, mais pour moi, il devait avoir une maquette qui lui permette d'aller plus vite, de savoir où il doit entrer, où il doit sortir. Mais là, il évolue en cherchant la porte d'entrée, la porte de sortie. Il va progressivement, il prend son temps. Mais ça aurait été plus simple pour lui de débaucher déjà son travail et puis savoir avec exactitude où il rentre, où il sort. Ça allait lui permettre de gagner du temps et puis de rendre plus efficacement son travail. Sinon, à part ça, je pense qu'il est bien parti. Le plus intéressant, indépendamment du fait qu'il nous montre, je ne sais pas pourquoi pour l'instant, bon, il faut voir le tableau achevé, mais pour l'instant, il nous montre juste une partie, la partie haute du trophée, comme si soit le trophée s'engluait dans un sable mouvant ou bien sortait, apparaissait, et son fond, son traitement de tableau avec des couleurs un peu chaudes, ce rouge, et ce côté noir, je ne sais pas quelle est la symbolique qu'il nous dit, mais bon, je pense qu'il y a une question de lumière peut-être qui apparaît avec ce trophée qui émerge et tout autour, peut-être l'incertitude qui a régné autour de cette canne. Mais bon, pour l'instant, c'est une supputation, mais il y a juste un trophée et puis quelques valeurs qui sont rougeoyants, qui me disent peut-être qu'il y a vraiment, qui nous dit qu'il y a une chaleur, il y a quelque chose, une compétition et un trophée à prendre. Donc je vois un peu le rouge comme un symbole du fighting spirit qu'on a en football pour pouvoir remporter un trophée.
lorsque je suis en train de peindre et que je rencontre des moments de blocage, je laisse tout de suite le pinceau, la toile et tout ce qui va avec et j'essaie un peu de m'évader. J'essaie un peu de m'évader pour retrouver les idées, pour pouvoir revenir sur la toile et m'investir. Ce candidat-là, lorsque j'ai vu ses œuvres de présélection, je me demandais bien quelle était sa technique de travail. Et là, lors de cette première compétition, nous avons vu en fait qu'il travaille avec une technique impressionnante. Il utilise du tissu, il met de l'eau de Javel, il fait en fait des colorations. Ensuite, il colle sur toile et il a une autre technique, on va dire, de dessin sur la toile. Et peut-être ce qu'il va susciter peut-être ma curiosité vers la fin de cette œuvre, parce que déjà, il travaille avec un tissu qui a une couleur noire, donc on va dire terne. Donc on parle en fait d'un thème assez reluisant vers la fin. Donc, qui dit Cannes Côte d'Ivoire 2023, c'est vrai, on a eu des périodes vraiment sombres, on a eu des périodes de joie, ainsi de suite. Donc, du coup, je me demande sur sa toile, comment il va faire ce contraste-là de couleurs chaudes et de couleurs peut-être froides sur cette même toile, parce qu'elle commence vraiment assez sombre. Donc, j'aimerais bien voir la fin de cette œuvre-là. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a une technique qui donne envie justement de comprendre, qui donne envie de porter un regard. Voilà. L'idée que j'ai d'eux, c'est qu'ils sont forts. C'est-à-dire, ils ont cette dextérité là dans le dessin. Et je pense que chacun de nous pourra faire sortir le meilleur de lui-même en travaillant et en montrant ce qu'il peut faire. Chers téléspectateurs, les notes seront connues le jour de la finale. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée. C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues.